mes choupios, mes choupex, ma choupex, un choupex, des choupios. Mes choupios, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. J'étais obligée de faire une vidéo aujourd'hui. Ça craint, j'ai été un peu absente. C'est la première fois depuis le début de ma chaîne que je me suis absentée une semaine. Je me suis absentée une semaine entière. Ouais, voilà, je suis désolée, mais je suis de retour. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? En fait, l'excuse pour faire la vidéo, c'est de crash tester ce masque. C'est un masque de chez La Rosée, en stick, à l'argile blanche. C'est une marque qu'on retrouve un peu à la pharmacie, c'est une marque française, La Rosée, que j'aime beaucoup. Mais en réalité, j'ai trop envie de chit-chatter avec vous, de vous faire un update de ma vie, de vous répondre à vos questions, de discuter quoi autour d'un masque. Tout simplement, j'ai envie de me poser, de faire un masque et de vous parler de ma vie. Je vais répondre aux questions que vous n'avez pas osé me poser. Tout simplement, voilà. Là, c'est super bien dit. si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Il suffit de cliquer sur le bouton rouge s'abonner en dessous de la vidéo. Et bonjour à la famille. Honey, 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 honey. Donc abonnez-vous, abonne-toi. Et voilà, tout de suite on passe à la vidéo, c'est parti, let's go. Je suis en pyjama Bugs Bunny. Et le masque, c'est à appliquer sur peau sèche, donc j'ai pas besoin d'aller mouiller le visage. J'ai la peau propre, je me suis lavé le visage avant de faire la vidéo. J'ai pris mon miroir. Il est trop beau ce miroir, il vient de chez Primark, si vous voulez savoir. Aujourd'hui, on va discuter entre copines, on va bablater. Les mecs, s'ils sont curieux, ils peuvent venir dans cette vidéo-là pour savoir de quoi on parle quand on est que entre filles. Les mecs, ils sont les bienvenus. Vous êtes bienvenus, messieurs. Vous êtes les bienvenus. Aujourd'hui, j'ai mis du gloss. Comment je l'enlève maintenant? C'est malin. Pourquoi j'ai fermé ce rideau? J'ai tous mes produits derrière. Comment je peux faire? Est-ce qu'elle existe vraiment cette chanson? J'utilise ça pour me démaquiller. En fait, c'est pas vraiment me démaquiller, c'est juste enlever mon gloss. Voilà, donc on va quand même parler un minimum du masque, si vous le permettez. Le masque, c'est la marque La Rosée. C'est un masque en stick régénérant 3 en 1 à l'argile blanche pour les peaux sensibles. Il coûte 16,90€, donc 95 ou 17€ quoi en gros, à 5 centimes près. Et ça fait longtemps que je le voulais, il était dans la box, dans la Gloria Box, c'est comme ça que je l'ai eu. Moi je l'ai pas acheté mais je voulais l'acheter depuis longtemps. Quand j'ai vu qu'il était dans la Gloria Box, j'ai dit bah c'est parfait, je vais pas l'acheter, j'attendrai de recevoir la box. Vous pouvez le trouver dans toutes les pharmacies, parapharmacies. La plupart des pharmacies l'ont. En tout cas voilà, il faut le laisser que 5 minutes, mais moi hier je l'ai laissé 5 minutes, c'était pas suffisant, donc je vais le laisser un quart d'heure je pense. Je pense pas que ça puisse faire du mal à ma peau, c'est de l'argile. J'ai vu comment il était le masque hier, je pense pas que ça fera du mal à ma peau. En plus, il faut pas le laisser sécher. Attention, les masques à l'argile, il faut jamais les laisser sécher. Prenez une brume et quand ça commence à sécher, vous aspergez la brume sur votre visage, même si c'est que de l'eau. Et là, faut frotter, faut insister, faut frotter, 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 frotter pendant longtemps. Il faut une couche épaisse. Et vu qu'ils disent qu'il faut une couche épaisse, il faut frotter, frotter pendant longtemps sur le visage. Vous pouvez aussi frotter sur votre peau, sur votre main. Pour réchauffer le stick, comme ça s'appliquera plus facilement. Bah voilà, moi j'ai fini de l'appliquer le masque. Par contre, il y en a beaucoup hein, dans le pot. Je pense qu'il y en a pour plus d'un an, ouais, dans le produit, dans le stick. Donc voilà, maintenant passons aux choses sérieuses. The tea, le thé. Hier je vous ai dit sur Instagram, je sais pas si vous me suivez sur Instagram mais je vous en ai parlé. Je vous ai fait une longue story pour vous parler de ça. Mon crush marié, vous vous rappelez de mon crush marié? Est-ce que vous vous rappelez de lui? C'est passé un truc de malade mental. Je l'ai croisé une fois, je vous avais dit déjà, il habite dans ma rue. Je l'ai croisé une seule fois pendant des années, en plusieurs années je l'ai croisé une seule fois. La fois où j'ai craqué sur lui. Et après je l'ai plus recroisé. Je vous avais raconté, j'ai forcé pour le croiser quelque part d'autre chez quelqu'un et tout. On avait parlé et tout. Il était marié. À partir du moment où il m'a dit qu'il était marié, j'ai arrêté de le chercher. Bon ça je vous avais raconté. Hier, je marche et je le vois loin. Je dis mais c'est lui, c'est pas lui, c'est lui, c'est pas lui. Il écartait les bras comme ça. Il me disait ah Yasmine. Il était mielleux. Ah gna 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 gna. Ça m'énerve.
moi je me suis dit c'est lui, oh là là, comment je vais faire? Moi je voulais vite partir parce qu'il est marié, ça sert à quoi? Ça sert à rien. Et il me prend dans ses bras, il met ses mains sur mes épaules, ah des sourires, ah mielleux, ah là, il me draguait, il voulait tromper sa femme avec moi. Il voulait m'embrasser ou m'emmener quelque part ou me faire boire un café ou je sais pas ce qu'il voulait. Il voulait peut-être mon numéro ou je sais pas. J'ai pas compris. Il voulait tromper sa femme avec moi. Et moi, morale comme je suis, forte comme je suis, vous me connaissez. Merci, merci. Merci. Vous me connaissez, je suis quelqu'un de moral, je suis quelqu'un de bien, moi. La meuf qui se lance les fleurs. Non, sérieusement, j'ai fait quoi? J'ai vite esquive. J'ai esquive vite, j'ai dit bonne soirée. Je suis partie, j'ai pris ses mains comme ça et j'ai dit bonne soirée. Je crois qu'on s'est même pas tapé la bise. Hein. Je sais plus si on s'est tapé des bises ou pas. Bref, et après, je me posais mille questions. Il voulait se tromper sa femme avec moi. Et si je lui avais dit on va boire un café, il aurait pris mon numéro, on se serait vu, je serais devenue sa maîtresse. Et nanana. Et nanana. Imagine, il croit que je l'ai refoulé, je suis triste, il croit que je l'ai refoule. Mais moi, c'est parce qu'il est marié, il a une femme, ça sert à quoi? Toute la soirée, je me suis posé mille et une questions. Toutes les questions qui existent au monde, je les ai posées. Je me les suis posées sur dans ma tête hier. Le masque, il commence à sécher, je le sens. J'ai même pas regardé l'heure. Mais je suis grave, moi. Je vais regarder à partir de maintenant 5 minutes. Comme ça, j'aurai laissé 10 minutes en tout, au lieu de 5 minutes. Eux, attention, ils disent laisser 5 minutes. Ils veulent qu'on laisse poser 5 minutes. Ça fait 5 minutes, je pense. Il est 11h49. Donc à 54, je l'enlève. Mais je vais asperger un peu de spray. Parce que je le sens sécher. Voilà. Et donc voilà, bah, il s'est passé ça. Je suis chouque. Est-ce qu'il a divorcé entre-temps? Est-ce que... Il a une petite fille, même s'il divorce pour moi, je veux pas qu'il divorce pour moi. Il a un enfant qui a 1 an, un bébé, 1 an et demi ou 2 ans, je sais pas. Trop mignonne d'ailleurs, on dirait un petit manga cette fille. Bref, en tout cas, ben voilà, moi je suis morale. J'espère que jamais de la vie il aura le nom de ma chaîne YouTube parce qu'il va y avoir plein de vidéos où je parle de lui. Il va plus se sentir, il va se sentir pousser des ailes, il va dire waouh, je suis une star. J'espère qu'il trouvera jamais ma chaîne YouTube. Bref, voilà. Ouais, en fait j'allais au sport, vous vous rappelez, je vous disais, mon ventre, je suis complexée, ça y est, j'ai plus de ventre, j'ai un ventre ultra plat, il n'y a plus de ventre. Vous savez ce qui a marché pour moi, je vais vous raconter, parce que j'ai tout essayé, j'ai galéré, j'ai essayé 6 mois d'abdos, rien du tout, aucun résultat au bout de 6 mois d'abdos. D'un coup, je tombe sur un article sur internet qui dit que faire des abdos, ça ne faisait pas le ventre plus plat, ça musclait les abdos, certes. Mais ça ne faisait pas fondre la couche de gras qu'il y a sur le ventre, qu'il y a par-dessus les abdos. Donc je me suis dit, ah, donc ça fait 6 mois que je fais du sport pour rien. Donc moi, je me suis dit, je vais faire 10 minutes de gainage. Et je faisais 20-25 minutes de vélo par séance, par jour. En fait, moi, je faisais ça 5 jours par semaine, à peu près. Même ce qu'on a 4-5 jours par semaine. Et donc je commençais à avoir des résultats, j'étais contente. Et après j'ai arrêté d'aller au sport, je suis tombée malade. Je suis tombée malade, c'était pas le Covid que j'ai eu. Je sais pas c'était quoi que j'ai eu, je pense que c'était psychologique. J'avais des soucis un peu en ce moment. À cette période-là, j'avais quelques soucis en tête. J'ai arrêté de manger, j'avais plus d'appétit. Plus rien ne passait. Je mangeais une patate par repas. Le repas du soir c'était 3 frites. Le lendemain mon petit déj c'est un café, je mange rien. Après le repas du midi ça va être... Une portion de pâte bolognaise comme ça. 3 pâtes et je laisse la moitié dans mon assiette pour le lendemain. C'était trop, je mangeais plus rien. Et là, mon ventre, il a disparu. Disparu. Il a disparu mon ventre. Donc je suis contente. Il faut pas que je me remette à manger. Et depuis cette maladie-là, je suis guérie. Je suis à peu près guérie. Mais j'ai pas recommencé à manger comme avant, j'ai pas regagné l'appétit. Parce que l'appétit, c'est quelque chose, on s'habitue à notre estomac. Si on mange beaucoup, on va être habitué à beaucoup manger, on va avoir faim souvent. Si on s'habitue à pas beaucoup manger, l'appétit va partir tout seul. L'appétit vient en mangeant. Donc si on mange beaucoup, on aura beaucoup d'appétit. Quand on mange pas beaucoup, on s'habitue à pas beaucoup manger. Après, ça y est, on est habitué à rien manger. On mange à très peu, on n'a pas besoin de manger beaucoup. Et donc voilà, moi je suis habituée à plus manger là. Donc je mange pas de petit-déj, je mange un repas, deux repas par jour, très léger.
et j'ai perdu mon ventre. Je vais même plus au sport. Il faudrait que je retourne au sport. J'ai très envie de retourner au sport pour muscler mon ventre, que ce soit encore plus joli, qu'il y ait peut-être des abdos dessinés et tout. Mais je ferai pas des abdos, je ferai du gainage et du vélo, c'est tout. J'aime bien faire ça. Ça me va très bien, moi. Et voilà, moi en tout cas, j'ai un ventre ultra plat, je suis contente. Et j'ai pas perdu mes formes. Donc franchement, là, je suis pas complexée du tout en ce moment. En ce moment, j'aime trop mon corps. Je suis complexée par des boutons. C'est même pas des boutons, c'est des taches de boutons qui me restent. Mais c'est pas un complexe, je m'en fous. Je m'en fous vraiment, je vous assure. Je m'en moque. Je m'en moque, 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 moque. Moque là, voilà. Qui a la ref, bref. Moque là, voilà. Tout. Je vais aller rincer le masque, les filles. Et je reviens, on continue notre petite vidéo entre filles. J'arrive. A few moments later. Voilà, j'ai rincé mon masque. Ma peau est super belle, mais définitivement, il faut pas le laisser 5 minutes le masque. Il faut le laisser 10 minutes à quart d'heure. Parce que hier, je l'ai testé. En plus, faut pas le tester tous les jours. Faites gaffe, moi je voulais faire cette vidéo, donc je me suis dit, c'est pas grave, on va tenter. Mais c'est pas un conseil que je vous donne de faire le masque 2 jours d'affilée. C'est pas un con, c'est pas, ne refaites pas ça s'il vous plaît. Faites pas comme moi, c'est pas bien ce que j'ai fait. Mais bon, bref, 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 bref. Ma peau elle est super bien, mais hier j'ai laissé 5 minutes, j'avais aucun résultat. Là j'ai laissé 10-15 minutes et j'ai ma peau elle est beaucoup mieux que tout à l'heure. Les taches elles commencent à s'estomper. Là le bouton, le relief, il est, on le voit toujours à la couleur, mais le relief il s'est aplati, pas aplati, mais il s'est. Comment on dit? Il commence à disparaître en tout cas. Il commence à partir. J'aimerais bien. Je pense qu'il va partir, il va laisser une tache. Pff, je le déteste ce bouton. Pff, bref, j'en ai marre. Voilà. Donc voilà. Ma peau est pas mal. Après, ils disent, ils préconisent d'utiliser un tonique après pour le visage, après avoir mis le masque. De pas laisser la peau sèche comme ça après le masque pour hydrater la peau parce que ça peut assécher la peau le masque. Donc on va mettre un tonique. Je vais utiliser le tonique Hydra Life de chez Dior. Vous pouvez l'appliquer avec un coton, le tonique. Moi j'aime bien l'appliquer avec mes mains. Mais là c'est juste que le rideau il est fermé donc je peux pas accéder au bout. Au coton. Je vais vous expliquer pourquoi s'il faut mettre un tonique avant de faire ses soins, après s'être lavé le visage. En fait, vous voyez la plante enracinée dans un pot dans la terre. Quand vous voulez l'arroser, vous commencez un petit coup, vous donnez la terre, elle est sèche, vous mouillez la terre. Vous mouillez d'abord un peu la terre et après vous renversez l'eau sur la plante. Bah, en fait, le tonique c'est pareil, vous arrosez d'abord la peau quand elle est sèche pour pouvoir permettre après l'hydratation plus intense, pour pouvoir permettre à la crème hydratante de bien pénétrer. C'est pour préparer la peau à recevoir tous les hydratants qui suivent. Voilà. Donc, est-ce que j'ai d'autres ragots à vous raconter? Ah, je ne sais pas, je ne sais pas. Les histoires que je vous ai racontées, c'est les histoires de la life de Ohani aka Yasmine. Ou plutôt Yasmine aka Ohani. It's my life. Voilà, c'est ma vie, je vous la présente. C'est ma vie de cette personne-là. Voilà, là. Moi. Je suis en train de partir en cacahuète. Donc, je vous fais plein de bisous. Je vous aime. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Mettez-moi des idées de vidéos en commentaire, s'il vous plaît. Bye bye.